Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Nous essayons tant bien que mal de passer. C'est ce qui se passe quand vous avez un trop gros engin, chers amis. Vous rayez la peinture, je ne parlais que de votre voiture, hein, calmez-vous. Alors ça par contre ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire sauter mon engin, le faire rentrer et ressortir. Ça, stretch, remarque. Donc c'est efficace, normalement. Mais il semblerait que je sois coincé. Oh putain, je me décoince. C'est bon. Voilà ce qui se passe quand c'est trop serré. Enfin bon, c'est pas grave. On progresse. On se dirige vers la base, nous sommes à très très loin et pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas grave, il faut que nous sortions de cette zone basse profondeur. Oulala, il y a un mec qui va nous péter à la gueule encore. Non, c'est bon, ça passe. Donc j'ai pris masse plein de trucs en fait. J'ai pris masse coraux ordinaire, j'ai pris masse quartz aussi. J'ai du bordel, vous pouvez voir que j'ai quand même perdu 20% de chaque, à 20% d'eau déjà. À récupérer, donc vous inquiétez pas, on a pris un petit peu de quartz, normalement on ne devra pas trop revenir tout de suite pour aller chercher du quartz. Je dois avoir pris une dizaine de quartz total, je dois avoir une dizaine de quartz, voire une quinzaine dans mon cyclope. Donc là les objectifs, construire le prawn, construire tout ce qui est alors déjà améliorer la base s'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau dedans, je vais bourrer le titane pour la resolidifier encore. On verra en tout cas le moment venu. On n'est pas trop loin de la base, donc ça sera bien. S'il faut que je replante des choses à l'extérieur, vignes ou n'importe quoi pour les lubrifiants, je les replanterai aussi dans cet épisode. On a plein de choses à faire. Ce qui est rigolo, c'est que ça me fait penser un petit peu aux épisodes de Bob Lennon et Fanta, les vieux épisodes, hein, parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas énormément de temps avec les uploads et les... En fait, ce qu'il faut comprendre, chers amis, c'est que si j'ai ma DS à côté, ma tablette, mes machins, mes bidules, c'est parce que j'ai des jeux dessus qui me permettent, enfin des choses qui me permettent de m'occuper pendant les montages et les uploads, qui me prennent ma connexion, montage qui me prennent bah, toute ma puissance de PC, quoi. Donc voilà, il faut qu'on fasse avec. On va commencer peut-être par l'amélioration de la base. On va voir, donc on va quand même déjà passer par là. On verra bien, hop, voilà, crac. Je vais faire ça. Oula, il faut que je fasse gaffe à la vitesse à laquelle j'arrive là-dedans. Ok, vert, circuit intégré, x2. Ah oui, c'est peut-être ça que je vais peut-être pas avoir, l'argent. C'est un problème récurrent dans cette série, l'argent. Plomb, lithium, diamant, or. Mais le niveau de l'argent, j'en ai pas des masses. Lithium. Bon, c'est pas grave. Je vérifie quand même ce qu'il me faut. On va bien voir. Minerai d'argent. Je vais voir si j'en ai dans le cyclope. On va bien voir. Hop. Ça sert à rien de stresser trop tôt. Parce que j'ai un petit peu d'argent. Ça je récupère. Ça je dépose. Est-ce que j'ai un tout petit peu d'argent? Soyez pas complètement pute s'il vous plaît. J'en ai un. Je vais en avoir qu'un. Et merde. Bon. Il va falloir de l'argent. Je peux récupérer du sel aussi. Crac. Il va nous falloir de l'argent. On m'avait dit entre 50 et 60 mètres. Donc là c'est beaucoup trop haut. Faudrait que je vérifie tous ces trucs là du coup. Ah bah non, 50 et 60 mètres, je suis à 80 mètres déjà. Donc c'est pas bon. Par contre là je peux vérifier peut-être. Or. Attendez, vous m'avez dit quelque chose. C'est qu'on les trouve.
Attendez, faut que je me retrouve où est-ce que je suis moi. Je dois être là, plus ou moins. Puisque le beige. Bon, le beige, c'est les dunes. Donc je suis pas là. Je dois être dans le rouge, moi. Je dois être dans le grassy plateau. Non, même pas. Bleu mushroom forest. Je vais être à... ouais, je vais être à ça. Je vais être là. Ok, je vois où je suis. Mushroom forest. Sandstone. Je devrais en trouver. Je devrais en trouver dans la mushroom forest. Je crois que vous m'avez dit c'est du grès hein, qu'il faut que je trouve. C'est uniquement le grès qu'il faut que je trouve. Putain, argent, vous aviez raison. Comme d'hab. Et moi je vous écoute pas assez. Calcaire, non, ça m'intéresse pas. Pas pour le moment. De l'or. Bon, je vais le prendre. De l'or. Vous aviez raison. Comme d'habitude. Ok, bon. On en a récupéré suffisamment, donc pour l'instant, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok. La suite. On marquera que je n'ai... Alors, j'allais dire, on marquera que je n'ai pas d'eau. Pourtant, j'ai l'impression d'en avoir. Vous savez? Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, j'ai un manque d'énergie certain. Hop, hop, hop. Du câblage, il va me falloir du quartz aussi. Le quartz, j'en ai, je ne sais plus où. Ici? Non. Ici? Je crois que je l'ai peut-être gardé dans le. Dans le vaisseau. Enfin, dans le cyclope. De toute façon, il va me falloir des. Bon, attendez. Va me falloir des. Quartz et titane. D'accord, ouais, ok, bon, c'est pas grave. Hop. J'ai pas assez d'espace de stockage. Clairement. On va partir avec ça. Ici, je vais lâcher. Je vais garder le corail plat parce que je crois que j'en ai besoin pour certaines choses aussi. Ok. Nous disions donc. Circuit intégré vers titane. Vers. Ouais, c'est corail plat, j'en ai que deux. Il m'en faut un troisième. Merde! De toute façon, j'ai la place maintenant, forcément, oui. Je vous dis merde. Ah putain. Où est-ce que je vais trouver du corail plat par là? Ah là 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 là. Ça c'est de la saloperie aussi ça. C'est de remonter à la surface. J'aurais dû prendre le Simos. Ok. On trouvait là-dedans. Par là, ça devrait pouvoir se trouver. Voilà. Merde. Viens voir papa. Voilà, merci. Pff, au passage. Je suis pas le mec qui a dit il y a 2 secondes que j'avais des problèmes d'inventaire. C'est pas grave, bon, c'est pas... ça se passe bien. On a ce qu'il faut. On a absolument tout ce qu'il nous faut. Je vais faire peut-être plus de emplacements de stockage, mais une fois seulement qu'on aura construit. Une fois qu'on aura construit tout ce qui m'intéresse, en fait, l'objectif, ça va être de faire plus d'emplacements de stockage pour ensuite bah, profiter de notre farm. Dès qu'on va farmer des compos, imaginons qu'il va y avoir des nouvelles choses dans les mises à jour. Par exemple, là, je vais peut-être farmer des compos, améliorer à max mon truc, on verra le moment venu. Ou en tout cas, rester sur cette série-là jusqu'à Prey. Maintenant, quand Prey sortira, je vais sans doute passer dessus. C'est-à-dire que je vais couper Subnautica si je n'ai pas fini les autres séries. Bon, c'est rien d'excessif, si je puis dire, mais de toute façon, Subnautica, on y reviendra au fur et à mesure des mises à jour, un petit peu comme,
comme comment que ça s'appelle oh bah mince un petit peu comme j'ai pas le titane. Titane. Où est-ce que je vais en avoir? Est-ce que je vais en avoir ici seulement? Oui. Je sais plus, je crois que c'est deux. Un petit peu comme merde, Astronia. Voilà. Pardon. Crac. Et voilà, aucun véhicule amarré. Et cette fois, on est bon, je peux amarrer un véhicule. Exemple. Crac. Crac. Ce qui me fait penser que j'ai pas. Simos à marée, voilà. Et donc Simos, on l'appelait comment Petit Buggy, et bah lui. Rentre dedans, on va l'appeler, tiens. Rentre dedans. Parce qu'il me rentre dedans quand j'en sors et parce qu'il rentre dans le cyclope. Et on va le mettre aussi dans les mêmes couleurs, je pense. Voilà. Hop. Name en black, effectivement. Crac. 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 Voilà, il est beau. Ok, il est beau, le lavabo. Ok, il est le bidet. Ok, on est bon. Donc, utilise fabricateur. Oh, d'accord, module commun. Balance de pression, renfort de coque, module efficace énergétique, module de stockage. D'accord. Chargeur solaire. D'accord. Système de défense, système de torpille. D'accord. Sonar. D'accord. Prawn, d'accord, ok. D'accord, je peux carrément améliorer plein de trucs. D'accord. Ok. Donc c'est pas ici que je dois construire le. Ok. Polyaniline. Torpille sonar, chargeur solaire ça m'intéresse. Ça aussi d'ailleurs. Module de stockage, 4x4, 4x4, 16. Ouais, c'est ça, je me trompe pas. Ça pourrait m'intéresser. Ok. Ça me permet de réduire un petit peu au fur et à mesure l'espace aussi que j'ai dedans. Module commun. Voilà. Crac. Merci. C'est vachement bien. Par contre, c'est réservé au Simos, on est d'accord. Simos et Prawn, d'accord. Et donc là, d'un seul coup, voilà, il a. Oh putain. C'est génial. C'est absolument génial. Bon, maintenant il est difforme, mais c'est génial. Waouh, j'adore ce jeu. Ce jeu est vraiment. Rentre dedans et t'as marré. Ok. Bon bah c'est cool, ça c'est cool. On va aller voir nos potes là-haut. Je sais pas où ils sont. Là-bas. Ok, et on va aller voir à peu près ce qu'il nous faut pour construire le Prawn qui à mon avis se construira ici. Non? Attendez. Waouh, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Crac, bonjour. Véhicule. Prawn. D'accord. Donc cristal d'oxyde d'aluminium, je l'ai. Lingot de plastacier, je vais pas l'avoir à l'heure actuelle. Aérogel et lubrifiant. Aérogel. 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 Oui, d'accord. Du coup, tout s'est décalé d'un. Génial. Ouais, couteau là. Couteau, voilà, bah, si tu veux. Ok, on y va. Aérogel. Je ne me rappelle plus. Aérogel. Ressources avancées peut-être.
Benzène, non. D'accord, gel sac. Gel sac. C'est quoi? Ok. Ok, alors selon... Selon le truc, je devrais en trouver, si je me trompe pas d'endroit, normalement, je me trompe pas d'endroit. Je devrais en trouver juste à côté. Je vais juste tiens, aller chercher ma bouteille d'eau aussi au passage. Ah oui, re-remplir ça aussi. Ça. Ok, crac. Manger un coup aussi au passage, ça peut faire du bien. Et on est bon. Boire un coup. Voilà. Là t'as encore tout ce qu'il te faut. Il m'en reste encore une donc c'est bon. Je considère que c'est bon. On peut y aller. On peut y aller en explo chers amis. Ça c'est cool. Oui sauf que l'explo va se passer à partir de là-bas. Vu que le CMOS est ici. Crac. Ok, donc on devrait en trouver là-dedans. On devrait en trouver là-dedans. Et je vais vous dire quand je les verrai. Non, non, non. Voilà une des nombreuses raisons pour lesquelles je ne vais pas là-dedans. C'est bon, tu charges? Je devrais en trouver là-dedans. C'est de l'esquive là pour le coup. Hein. Ah, petit lag, j'attends un petit peu. Apparemment c'est bon. Et je devrais en trouver ici. Ça, ça pue. Je sais pas s'il y a moyen de voir un œuf éclore. Ça pourrait être intéressant, moi ça me plairait. Ouais, j'ai déjà pris. Parce que je suis... c'est pas la première fois que je viens là non plus, faut que j'y pense aussi. Dis donc, ça se multiplie dans le coin, hein. Je veux pas dire, mais il va falloir que je chasse, moi. Hein. Toujours à moi de tout faire, hein, les mecs. Hein. Aïe. Fallait s'en douter. Et je trouve pas du tout ce que je suis censé trouver. Alors qu'il est censé en avoir ici. Oula. T'as spawn un petit peu sous mon cul. Est-ce que justement tu serais pas sorti de l'œuf à ce moment précis? Ou est-ce que tu te moques de moi? Si j'avais su que ce serait aussi loin par contre... ça serait pas passé pareil, hein. Oh, le pire c'est que je crois que je vais en trouver en bas. On a déjà fait 1 km, la vache. On se rend pas compte comme ça, mais on dépote. Hein. On roule vite. C'est rigolo des bestioles qui ont la bouche éclairée. Alors, autant ça je reconnais, autant l'autre truc je l'ai pas reconnu. Oh nom de Dieu. C'est pas pour celui-là, hein, c'est pour celui qui était derrière. Hein. Je crois que je suis pas passé loin du tout de me faire gober. Ce qui, je dois bien l'admettre, me fait bien chier. Alors, j'ai regardé aussi au-dessus, en dessous, peut-être qu'ils sont au-dessus les trucs que je cherche. Cela dit, ça, c'est possible. Donc,
Autant jeter un œil. Apparemment, je ne le vois pas. Par contre, du coup, s'il y en a là-bas et qu'il y a cette bestiole-là là-bas, ça donne pas véritablement envie d'y aller non plus. Enfin, comprenez ma détresse. Et si c'était plus par là? En tout cas, il y a les bonnes couleurs ici, donc ce n'est pas ça. Je vais continuer à chercher par là, chers amis. Alors, peut-être vais-je en trouver quelques-uns. C'est du sel. Intéressant de savoir qu'il y a des airsacs dans le coin. Waouh. Qu'il y a des lacs dans le coin aussi. Nous ne sommes pas encore à une distance dangereuse pour le Simos. Ce qui est une... Peut-être que je vais en trouver là-dedans. Bon, c'est pas dégueulasse. Ah putain! Ça, j'en ai besoin! Souvenez-vous! Oh la vache! Oh, t'es pas en forme, toi! Par contre, j'aimerais bien que tu pop... au bon moment. Merde. 4 par 4, je peux donc en mettre 4 dedans. Alors vous voyez, la profondeur est rouge, donc normalement je consomme énormément d'oxygène ici. Voilà, on est plein de ça, donc ça c'est bon. Oui, je suis dedans, tu te calmes, hein, tu te calmes Johanna. Ah, puis il y a de la bestiole hein, dans le coin, c'est pas hyper amical. Hein. Par contre, il n'y a pas la couleur que je veux, donc ça doit pas être ici. Par contre, j'ai trouvé le sang, et ça, enfin l'huile, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Puisque je n'en avais pas de trop encore. Par contre, ça prend énormément de place. Mais j'ai toujours pas trouvé ce que je cherche, moi. Ha ha. Ha 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 ha. Les dunes, peut-être ? Non, 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 apparemment il n'y en a pas dans les dunes, donc c'est pas ici que j'ai... ça vaut pas la peine que j'aille ici. Je pense que je vais pas en trouver par là non plus. Je crois que j'en ai à la base. Donc je vais aller voir, en me dirigeant vers la base, je vais aller voir si j'en trouve. Enfin vers le life pod. Si vous voyez des espèces de bulles, enfin de je trouve pas de mots en fait pour les décrire. Des espèces de trucs bulbeux bleus. Ah, peut-être qu'on va en trouver là-dedans, cela dit. Attendez. Je crois que je m'étais déjà fait avoir, j'ai dû taper dedans une fois, je me suis dit non, je le referai pas. Voilà où ça te mène, Marcus. Parce que je crois qu'il fallait juste le ramasser et moi j'ai tapé dedans comme un gros débile. Non, je trouve pas de mots pour décrire la chose en fait. C'est ça, voilà. Si je me trompe pas, c'est ça. Casse-toi. Bah alors ?
T'as pas de force? Corail cerveau. Non, c'est pas ça. Alors moi je crois que c'était ça. Ce qui... Je l'admets, m'emmerde bien. Peut-être trouver ça ailleurs. Cela dit, c'est censé être ramassable, donc... C'est vrai que pour le coup, celui-là ne l'était pas. Alors, peut-être qu'il y en a des ramassables, d'autres... enfin peut-être qu'il y en a qui sont poussés, vous savez, qu'on poussait à fond. D'autres qui n'ont pas suffisamment poussé encore. Putain, juste à côté du lifepod, il y avait ça aussi, tiens. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Enfin bon. Boum. Où est-ce que je suis? Wow, bonjour! Ça va-t-il? Ouais, bon, bah t'es bien. Je vais me diriger vers le truc. Parce que c'est des... j'essaie de me diriger vers les zones, vous savez, que j'ai déjà visité, parce que je sais que j'en ai déjà vu quelque part. Ça me dit quelque chose. Donc, bon. Le problème, c'est que, voilà. J'ai l'impression qu'à partir de là, il va y avoir la... le gros monstre. Et j'ai pas forcément des masses envie de leur... Et putain de merde. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu me lâches. Je suis à 19% de santé. Je me retournerai pas. Je ferai pas deux fois la même connerie. Oh la saloperie. La saloperie. Je vais rester dans le coin pour le moment, je vais me réparer. Oh là 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 là, le salaud, le sac. Le sac. Bon bah fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre, hein. De toute façon. Mais je sais pas s'il y a moyen... Si vous me dites s'il y a moyen de le buter dans les coms. S'il y a moyen de se frit... Ce serait ça? Non, c'est pas ça. C'est pas récupérable, ça. Merde. C'est ça! C'est pas ça? C'est celui-là, là, regardez. Ça, c'est ce que je cherche. Ça rentrera jamais dans ma poche. J'ai le sac. 2. Ça prend quoi comme taille? Ça prend une taille toute petite, c'est gigantesque, mais ça prend une taille toute petite. Donne-moi plus. Toujours plus. J'en veux plus. Merci. Là, je vais remplir mon inventaire, hein, chers amis. Là, je pars pas pour hein. Donc ça, c'en est pas. Ça, c'est de l'oxygène. Tu peux m'en donner. Merci. J'ai de regarder où je peux en trouver. Je sais pas si là-dedans, il va y en avoir. Ouais, mais je t'aime pas. Je te sens pas. Quand je sens pas les choses, je regarde de l'autre côté. Waouh, je te sens toujours pas, toi. Je sens pas les lags non plus. Enfin, je les sens, mais... Mais merde. J'en ai pas trouvé d'autres. Ce qui, je l'admets, me pète bien les couilles. Donc, faut que je visite les crevasses... autour de la zone de crash. Et j'ai employé le terme visite. Oui, Marcus. Hop, ok. Je me demande comment j'ai pu aller taper dedans, du coup. Mais je suis sûr que c'est ça qui était violent vis-à-vis de moi. Ça, c'est la même, on est d'accord, c'est celle que je viens de visiter. Oui, je reconnais l'extrémité.
Là, y a rien. Celle-là, c'est la même, non? Je sais plus. Je ne sais déjà plus. C'est plus ou moins là-dedans, cela dit. Bon, bah, ça se trouve, j'en trouverai pas d'autres pour le moment. Alors, celle que j'ai cru voir à gauche, en fait, n'en était pas une. Hein. C'est pour ça que je me suis pas arrêté, chers amis. C'était une un machin à oxygène, vous savez. Ah, j'en trouverai pas d'autres. Ça va être assez rare, n'empêche. Hein, hein. Bon, j'en ai un petit paquet quand même. Retour à la base sous-marine. Forcément sous-marine, de toute façon. Enfin, je peux la faire en dehors si je veux, mais... Alors ça, c'était une grosse connerie de passer dans les proutes, là. Enfin, comme si ça n'était jamais arrivé. Dis donc, ils sont agressifs aujourd'hui, hein. Je veux pas dire, mais... Entre un qui veut me bouffer... Ceux qui me pètent au nez... Je dis ça, je dis rien, hein. Alors attendez, je vois une... Vous voyez ce que je veux dire? Apparemment, je vois rien dedans. Putain, c'est gigantesque ce truc là. Oh, je suis déjà rentré dedans. Ça me dit vaguement quelque chose avec des trous sur les côtés, ouais. Ouais, je suis déjà allé là-dedans. Me pète pas au nez. Merci. Ils se foutent toujours de ma gueule par contre, hein. Y a pas de souci de ce côté-là. Ils ont de l'humour. Et des gaz. Mais de l'humour. Mais des gaz. Enfin bon. Là, y a rien de bleu. De toute façon, c'est que du vert dans cette région-là. J'ai pas compris pourquoi encore. Waouh, waouh, waouh. Je voulais pas me bouffer le caillou, mais. Si je veux pas me bouffer une dent dans le cul aussi. Allez, on est bon. Question, je suis à 68% de. Oui, je pense qu'il la recharge. Le Moonpool recharge. C'est certain. C'est quasi certain. Par contre, il me fait un peu pitié le Moonpool avec ce. Crac. Captain Arkia, je suis le capitaine. Voilà, regardez, regardez comment ça descend d'un seul coup la charge. Donc c'est bon, ça recharge le truc. Ok, je suis au courant. Donc, nous disions... Ah putain, je vais pas tout avoir aussi. Huile de sang, vous voyez ça, je sais pas ce que c'est. Enfin bon, aérogel. Cristal d'oxyde d'aluminium. J'en ai descendu ou pas? Non, je crois pas. Je vais aller voir directement, je vais le construire directement dans le vaisseau. Hop. Hop. Ah, tu veux bien monter? Voilà, merci. Cristal d'oxyde d'aluminium. Où est-ce que je l'ai mis? Hop, crac. 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 C'est pas là, c'est là, c'est là. Il me faut deux aérogels. C'est certain. Deux lubrifiants, deux lingots de plastacier. Le lubrifiant. Des vignes de rein à foison, chose que je ne vais pas pouvoir prendre parce que je n'ai pas suffisamment d'espace à l'heure actuelle. Dans 4, dans 6, 7. J'ai récupéré tout le titane que j'ai là-dedans pour me faire mes lingots. Voilà. Crac. Je vais faire un lingot déjà. Crac. Faut alors que j'aille récupérer du titane quand même. C'est là le seul souci. Ok. Et là je peux ramener 1, 2, 3 vignes de rein déjà. Et vu qu'elles sont juste à côté, c'est très très bien. Puisqu'elles sont déjà là en fait, regardez. Hop. Alors où est-ce que je peux la récupérer? Voilà, je peux donc faire ici un lubrifiant. Crac. Ça c'est bien. C'est quoi l'autre truc que je pouvais faire? Caoutchouc en silicone, d'accord, ok. Crac, on y retourne, on fait pareil. Voilà, parfait. Et donc là, on a nos deux lubrifiants. Maintenant, il va nous falloir juste le plastacier. Hop, merci.
Et pour le placer, il va falloir plus de titane. Actuellement, je peux emporter combien de titane avec moi? 1, 2, 3 maintenant. Et ça en rapporte 4. Donc si je trouve 2 débris, c'est bon. 2 débris, c'est suffisant. Je peux construire le prawn en haut dans cet épisode. Ce serait vraiment bien. Allez, 2 débris. Faisez pas vos putes et donnez-moi 2 débris. Ah, je prends des risques à aller aussi profond. Donnez-moi 2 débris. Non ? Non. Non, non, non. Apparemment non. J'ai cru, mais non. Je crois mal, c'est pour ça. Ok. Par là. Oui. 1 et 2. Merci, au revoir. Crac, on est bon. Donc normalement, chers amis, je vérifie ma liste, j'ai 2 aérogels, j'ai 2 lubrifiants, je dois avoir 2 cristaux d'oxyde d'aluminium, et je vais avoir 2 lindos de plastacier. Donc normalement, on est bon. Je vais reprendre un petit peu d'oxygène quand même avant. C'est bon, on y retourne. Crac. Normalement, je peux construire le prawn. Je fais mes 2 lingots, puis après je récupère tout ce que j'ai récupéré, et je suis bon. Je vais même tout faire dans le cyclope. Le problème c'est que le prawn... Ah, si, je vais venir le docker dans le... Ouais, je vais venir le docker dedans. Du coup, est-ce que je peux... Combien que j'ai de place restante? Ça devrait être... Ah, ils prennent que 2 par 2, je crois que c'était... Oui, c'est bizarre. Bref. C'est pas là. Voilà. Crac. Alors. Titane. 4 et 4, 8, moi j'en avais déjà 2 restants, donc normalement je suis bon. Je suis parfaitement bon, normalement. Ok. J'ai donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. On y va. On va voir nos potes. Dommage, ça va se faire de nuit. Je coupe la lumière. Pas besoin. Je dis que j'en ai pas besoin, mais je vois que dalle. Eh merde! Là-bas. Je me disais, c'est marrant, il y a une étoile qui bouge. Ok! Quel con! Quel con! J'ai des lingots de titane, alors c'est des lingots de plastacier qu'il faut. Merde! Il faut donc que je les mélange avec du lithium. C'est de mémoire. C'est ça? C'est ça. Ouh! On est quand même bon, vous inquiétez pas. On est bon. On est bon. Oh là là. La petite frayeur. On y retourne, on retrouve. La capote de bol, le jour va se lever, non? Non, bah non, faut pas trop en demander non plus, Marcus. Merde, je l'ai encore perdu de vue. Cherchons l'étoile qui bouge. Là-bas. Et ça marche bien, hein, en fait, finalement. Ramasser. Non, je voudrais monter dessus, moi. Merci. Voilà, et le prawn. Ok. Il est normal, lors du premier place d'une combinaison prawn, de ressentir l'impression de pouvoir illimiter au bout de 2 doigts. Les opérateurs de prawn professionnels reçoivent des semaines d'entraînement. Oh putain! Putain, il coule! Ah non, il coule pas. Finalement, il a arrêté de couler. Intéressant. Ah putain, il coule encore en fait. Autant pour moi. Ah d'accord, je dois avoir un... D'accord, j'ai de la propulsion.
Ok, ça va être risqué quand même de tomber avec ça, je veux pas dire. D'accord, j'ai un coup de poing et un coup de poing. Ok, bon, je vais le garer là, sans trop de prétention. Je vais aller sortir le... Le Simos. Tu peux... Ah, d'accord, je peux. Je pouvais pas là. Voilà. Trop agile. Ok. Hop. Putain, mais comment je vais la faire pour la faire rentrer dans le... Oh, comment je vais faire? Use exosuit. Ok. Parce que là, en fait, si je tombe là... Comment je vais faire? Est-ce que je peux remonter? Oui, d'accord. D'accord. J'ai suffisamment de pouvoir de propulsion pour me remonter, en fait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, bah. Alors, couleur. Toujours le même problème. Rouge. Strike. Noir. Strike. Blanc. Strike. Rouge. On va l'appeler comment? Fist. Dedans. Parce que c'est un... Il rentre dedans aussi, mais il a deux points. Et les points s'appellent les fists. Prawn. Ça m'intéresse. D'accord. Et je pensais que je pouvais creuser avec moi. Grappin, bras lance-torpille. Je pensais que je pouvais creuser. Bon, peut-être pas finalement. Le bras à grappin va être une utilité incroyable, ça c'est certain. Kit de câblage avancé plus titane. Pas pour tout de suite, hein. Kit de câblage. Oh. D'accord. 9 nouveaux sujets biologiques désignés. Mode, chasse, analyse. Transmission de position des sujets avec d'autres géants. D'autres agents. Des sujets. D'accord. Barbe réacteur, ok. Kit de câblage avancé hors circuit intégré. D'accord, ok. Bon, il y a du boulot encore. Hein. Il y a du boulot. Bon, on en a combien de temps? On a 45 minutes d'épisode. C'est la déchet. Eh bien, écoutez, chers amis, nous on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir. En tout cas, c'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!